Et manteau comme j'aime. Bonne bonne, grand-maman. Ah, oh, c'est vrai qu'il est beau. Hein? L'avais-tu comme cadeau de Noël? Non, laisse faire. Va garder mon vieux. Ben, ton vieux, comme tu dis, je t'avais remarqué que je te l'ai offert l'année passée. Ah oui? Ah, pourtant, il me semblait que... C'est pas grave. C'était mieux celui-là. On va te l'offrir. Ben, voyons donc. J'ai pas dit ça pour ça. Non, c'est bien que t'as pas dit ça pour ça, mais si tu le préfères, ça nous fait plaisir de te l'offrir comme cadeau de Noël. Non, laisse faire. Là, j'y tiens pas tant que ça, là. Puis de toute façon, gardez donc votre argent pour vous autres. Après tout, l'esprit des fêtes, c'est d'autre chose que ça. Dans ce cas-là, ça veut-tu dire que tu veux pas te cadeau cette année? Non, laissez donc faire. OK, d'abord, on te donnera pas. C'est cher, avec tout ce que vous avez à payer. Ben, comment ça, vous m'en donnerez pas? Ben, c'est toi qui viens de dire que tu veux rien. Depuis quand, toi, t'écoutes ce que je dis? Les hommes, Manuel, c'est normal qu'on s'échange des petits cadeaux. Dans ce cas-là, grand-mère, aimerais-tu mieux une petite boîte de mouchoirs au lieu d'un manteau? C'est quand même pas une petite boîte de mouchoirs qui va me garder au chaud. Que dans ce temps-là, maman, arrête donc ton cinéma puis dis-le donc ce manteau que tu veux. On va te l'acheter, c'est tout. Non, laissez faire, là. C'est trop dispendieux. Bon, à gang qu'on est, ça nous reviendra pas cher. Oui, même Dolores, est-ce qu'elle fournirait avec nous autres? Hein? Vous voyez bien, vous avez pas les moyens de demander à la voisine de mettre de l'argent dans le pot pour payer un manteau à votre vieille mère. Oh, grand-maman, pardon pas comme ça. C'est Dolores elle-même qui a demandé de fournir avec nous autres pour ton cadeau. Oui, puis comme elle connaît quelqu'un dans le gros, elle va t'amener, puis... Ouais, puis en retour, m'a obligée d'y acheter un cadeau. Mais qu'est-ce que tu veux y acheter, Dolores? Elle a tout ce qu'une femme peut désirer. Non, elle a pas de pantoufles en fin de sexe. C'est tout ce qu'elle va recevoir, puis vous autres aussi, d'ailleurs. Ça tombe bien, j'en avais justement besoin. Moi aussi, hein, les miennes sont finies. Mais que vous êtes menteuse. Vous agissez ça pour tuer les pantoufles en fin de sexe. J'en fais pour tout le monde à tous les ans, pis y'a rien de Christian qui est pas. Quoi? Des pantoufles de plein texte de grand-maman. Oh, à propos, Melda, vous m'en tricoterez des rouges et verts pour le réveillon cette année. Avec des feuilles de gui collées sur-dessus, peut-être? Ouais, ou... Pis des clochettes au bas? J'aurais été envie, mais moi, je suis tellement belle dans mes pantoufles en plein texte. Au moins, y'en a un qui apprécie mes cadeaux. Hey, t'aimerais-tu ça que je t'en tricote une paire, là, pour Roger, hein? Ah, ben oui, pourquoi pas? Non, mais dis-moi, voyante, hein, il est tellement straight, lui. Pauvre Roger. Plus conservateur que ça, tu revires NPD. Oh, à propos de réveillon, là, si vous me demandez ce que je veux comme cadeau, vous direz que je dois avoir un petit diamant. Pour mettre où? Mais pas dans le nez. C'est ta affaire. Vous me mettez après l'oreille, tu commences. Ouais. Mais le petit diamant dans l'oreille, je suis pas sûr que ce soit ben le genre de Roger. Et c'est pas lui qui va le porter. Hey, au fait, vas-tu réveillonner chez eux cette année? Va bien falloir, fille. Moi, j'aurais bien aimé réveillonner avec vous autres, comme d'habitude, mais... Roger va vouloir en profiter de me présenter à sa famille, puis je peux pas y refuser ça. Il serait tellement déçu. Ouais, mais tu vas le décevoir bien gros, là. Oh, je le sais. Puis il faut que je trouve une solution. Mais il est pas question que j'amène Christian dans ma famille pour le réveillon. Ça sert à rien, ils prendront pas. C'est sûr que pour les gens qui sont pas habitués, là, il peut surprendre. Mais d'un autre côté, c'est délicat d'aller lui en parler. On le blessé. Puis comme je veux pas lui faire de peine, je ne sais plus quoi faire. Mais je dois t'avouer que moi-même, des fois, j'ai bien de la misère. C'est tellement un bon gars. Mais oui, mais il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il tutoie les gens. Il leur parle au féminin. C'est pas tout le monde qui accepte ça. C'est sûr, c'est tout un personnage. Mais je vais te dire une affaire. C'est aussi bien de te faire à l'idée et de l'accepter tel qu'il est. Christian, c'est un gars sensible, généreux au bout, mais excessif dans tout. Puis je pense pas que tu vas réussir à le changer avant les fêtes. C'est pour ça que je pourrais pas l'amener dans ma famille. Mon frère, macho comme il est, il l'acceptera jamais. Puis ma sœur, elle va penser qu'il arrive d'une autre planète. Mais toi, Roger... Quoi? L'acceptes-tu tel qu'il est, toi? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Mais je dois t'avouer que quand il vient il me chercher à l'ouvrage, puis qu'il me saute au cou là, pour m'accueillir, c'est bien simple que je veux mourir. Il fait ça à tout le monde. Moi aussi, quand il vient me chercher, il me saute au cou. Quand il va chercher Michel à l'agence, il saute au cou. Il est fait de même. C'est un gars qui aime son monde, puis il veut le montrer. Ben moi, je suis pas démonstratif. Coudon, il y a une question de pudeur aussi. Oh, puis c'était rien que ça.
Mais le pire, c'est de me faire appeler fille devant le monde. Si vous pouvez donc perdre cette habitude-là. Ah, on a-tu mal, les filles? Rien que si j'ai dit, c'est drôle. OK. Et le souper est prêt? Aussitôt que les femmes auront fini de papoter de cadeaux. Oh, à propos, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon Roger, pour Noël? Toi? Ta présence, mon père. Roger, c'est pas beau, ça. Oh, mais, par contre, là, si tu veux m'offrir quelque chose de plus concret, libre à toi de faire une enquête. Dis-moi les dons tout de suite, ça va aller plus vite. T'es la surprise, souffrance? Quand après la messe de minuit, tu vas m'accrocher le cadeau après l'oreille, en dessous de la feuille de lit. Un indice, là, mon Roger. Ouais, t'as deviné, mon petit oui. C'est une boucle d'oreille, mais avec un diamant, par exemple. Oh, monsieur, je vais dire comme mon oncle Raoul, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Oh, mais je suis pas trop gourmand, je le veux bien, bien, bien petit. Tu trouves pas qu'un diamant dans l'oreille, c'est un peu voyant? C'est pas pire qu'un anneau, souffrance. Justement. Moi, je trouve pas ça très masculin. Voyons d'autres, oui. Il y a plein de machos qui ont les oreilles percées, là. Les Hells Angels, Johnny Hallyday, les Gypsy King. Tous des gars qui feraient n'importe quoi pour se faire remarquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous voulez m'excuser, là, je vais aller voir s'ils n'ont pas besoin de moi dans la cuisine. Je vais remarquer, je ne le mettrai certainement pas pour aller faire mon marché, souffrance. Je vais le mettre pour les grandes occasions, fille. Arrête de m'appeler fille! J'aime vraiment pas ça, Christian. Hein? Je pense, en effet, mon pit, qu'il n'y a pas grand-chose que t'aimes. Puis tu risques certainement pas de mourir étouffé par ton sens de l'humour. Souffrance, prends-tu toi, fille? Respire par le nez. OK, petit gars, tu fais prêt? Ben, je te remercie, mais le chauffeur d'autobus vient de me couper l'appétit. Et moi, je dois aller travailler. Ouais. Ben, c'est ça. Va jouer dans le trafic, là. Ça va te faire du bien, ça va te changer d'idée. Voyez la roue sonceuse, le grand prix des émotions fortes. Il y a une part de mon travail que je hais. Comment dire à un homme de 45 ans qu'il a un cancer des poumons? Comme la plupart des fumeurs, il a déjà essayé d'arrêter. J'ai pas besoin de vous le dire, c'est dur d'arrêter. Mais il y a maintenant un nouveau système qui est vraiment efficace. LifeSign, si efficace qu'il a reçu les subventions du service de la santé publique américaine. Au cœur du système est cet incroyable ordinateur, construit dans un seul but. Détruire tout besoin de nicotine, même le vôtre, jusqu'à 4 paquets par jour. Comment ça marche? Au début, vous fumez normalement et vous indiquez à l'ordinateur quand vous allumez une cigarette. Puis, l'ordinateur vous signale les moments auxquels vous pouvez en allumer une autre. Vous fumez toujours autant, mais à des moments différents. LifeSign détruit votre habitude en réduisant votre nombre de cigarettes. Si doucement que vous ne vous en rendez même pas compte, votre envie de fumer diminue naturellement. Pas d'arrêt brutal, jour après jour, à un rythme facile à suivre. Et si ça devient difficile, vous appelez les spécialistes de LifeSign. C'est gratuit. Je ne voulais pas cesser de fumer, mais vraiment, je ne pouvais pas. Et grâce à LifeSign, je ne fume plus. LifeSign est maintenant disponible. Vous aussi pouvez obtenir ces résultats étonnants. Je suis vraiment content. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas existé beaucoup plus tôt. N'attendez pas que quelque chose apparaisse sur vos radiographies. Il y a aujourd'hui un produit qui marche vraiment. Appelez ce numéro gratuit maintenant et économisez 10 $. Recevez la méthode LifeSign complète, l'ordinateur, le guide de 48 pages et l'aide téléphonique gratuite pour 10 $ de moins. Payez par carte de crédit en 4 paiements séparés de 19,95 $ seulement. Puisque LifeSign garantit le remboursement sans condition pendant 60 jours, pourquoi ne pas appeler maintenant? Avec Marcel Béliveau, tout peut arriver à Marie-Chantal Labelle, Manuel Tadros, Gilles Gagné et Jacques Tisdale. Surprise, surprise, dimanche 20h. Moi, je te dis qu'il faut...
faut travailler avec le public à journée longue pour savoir ce que c'est. Ben, si t'es tanné du monde, change de job, t'es quand même capable de faire autre chose que de chauffer un autobus. Ou un taxi, peut-être. Ben, ou, je sais pas, moi, travailler à l'office. Oh, j'ai tout frais, moi. Chef opérateur? J'ai pas mentalité pour ça. Regarde s'il est beau, ce manteau-là. Le problème, c'est que t'aimes ça conduire un autobus. Si, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, arrête de te plaindre. Ben, il se plaint pas. Oh, maman, mets-toi pas de ça. As-tu vu s'il est beau pour le prix? Je me plains pas. Je fais juste dire que depuis qu'on a engagé des femmes chauffeurs, ils ont rapissé nos locaux pour les en faire un autre. C'est plus comme avant. Pipi, c'est normal. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Des fois, je me dis que j'aimerais ça travailler en bas. En bas de la ville? Mais non, la belle mère en bas, dans le métro. Il y a l'air chaud à part de ça. Moi, je vais répéter pour ça. C'est ça. Quand tu vas arriver à la maison, tu n'auras plus rien à me compter. Qu'est-ce que ça changerait, tu serais là? Mais quand je suis pas en voyage à ta maison? Comme tu es toujours en voyage. Hey, c'est quand même pas de ma faute. C'est ma job, c'est de voyager. Non, mais là, elle a raison, par exemple. Mais oui, mais lâche-la, ta maudite job. Mais bien, iras-tu trop, tu penses? Mais je l'élève très bien, mon enfant. Non, en tout cas, elle fait ce qu'elle peut, hein. Sauf que cet enfant-là passe ses journées dans la garderie. Mais comme tout seul, sa génération. Ben oui, mais si vous l'ameniez à sa mamie aussi. Oh, maman! Je te demande s'il vieillira trop. Non, mais c'est vrai, il attrape tout depuis qu'il va là, cet enfant-là. Réponds-moi donc quand je te parle. Ma mère aussi, elle dit comme vous. Elle vieillira trop? Ben non, maman, elle vieillira pas. Je n'ai même pas regardé. Michel, calme-toi. Ça sert à rien, belle-mère, c'est sa job qui met sur le gros nerf. C'est-tu dans ma palette de couleurs, ce que tu penses? C'est pas ma job qui me met sur le gros nerf, c'est toi. Ça va? Je vais prendre l'air. C'est pas? Non, pas en même temps que lui. Es-tu dans ma palette, oui ou non? Bonsoir, comme vous. Es-tu? Mais oui, je m'en vais coucher au foyer. Maman, attends, Dolores va arriver, puis elle va me donner l'adresse pour ton manteau. J'ai pas besoin de Dolores pour ça. À part de ça, si c'est vrai qu'elle peut me l'avoir au prix du gros, ben, assez où me trouver. C'est pas? Non, j'aime pas ça, le pâté chinois, tu sais. J'aime pas ça pareil. Pas plus que j'aime non plus parler de ça dans le milieu de la place sans qu'il y ait personne qui me répond. Ah, ben, écoute donc. Hein, mon petit loup? Tout le monde s'en va? T'es tout seul avec mamie? Hein, mon ange? T'as chupé, toi, on sait bien. Écoute donc. Bon appétit, Denis. Hein, mon loup? J'arrive-tu trop tard pour manger? Ah, non, non, viens, viens. Il y en reste en masse. T'as dit que pour une manufacture, c'est swell, pas pour rire, cette place-là? Non, oh, laissez-vous pas influencer, Imelda. Le décor, c'est pour impressionner les acheteurs des grands magasins. Mais comme je connais le manufacturier, qui est un ami de mon ex-mari... Le premier ou le deuxième? Le troisième. C'est lui qui fait en venir. Oui, homme, combien est-ce que t'en as de douzaine? Juste trois, pourquoi? Ah, mais il t'envoie-tu un chèque à la fin du mois, celui-là? Non, mais il me paye tout mon linge au prix du gros. À la vitesse où tu changes de butin, il aurait mieux fait de te payer une pension. Hein? Vous savez que toutes les femmes de docteurs et d'avocats s'habillent ici, hein? C'est bien pour te dire, hein? Toujours les riches qui ont tout pour rien, hein? Et bon voyage à Acapulco! C'est elle, c'est la gérante. Hello, darling! Hello, dear, how are you? I'm fine, you? Ça va bien, chérie. Est-ce que... Oh, ça change pour ton couleur de cheveux, dear? Ben oui. Ah, oh, c'est beau, ça, c'est blond Miami. C'est ça? Miami. Oh, so gorgeous. Ça va bien, chérie. Ah, ça va bien. Tu fais quelque chose à tes yeux, non? Ah, non. Pas du tout. Ah, ben c'est cute. C'est pas ça que ta couleur de maquillage bleu. Ah, peut-être que bleu. Ah, oui, c'est bleu. Mm-hmm. C'est bien beau, c'est dans bleu azur. Mm-hmm. Oh, t'as emmené ton soeur avec toi. Je suis une amie, Imelda Dussault, Mrs. Goldstein. Oh, hello, Imelda. Hello, je suis contente pour rencontrer toi, chère. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, lady? Ben, moi, j'aimerais bien voir vos importations européennes. Oh, ma chérie, les importations européennes, ça vient tout d'arriver de Hong Kong. Tout pour tu vas tomber par terre quand tu vas voir ça. Puis j'ai juste des affaires pour toi. Gorgeous. Et pour toi, Imelda, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu les importations européennes? Non, moi, ce serait plutôt pour un manteau d'hiver. Assez chaud, là. Ben, pas trop épais, puis pas trop voyant non plus. Mais un manteau qui ferait pas trop vieux, et qui ferait pas trop jeune non plus. Puis qui serait dans ma palette de couleurs, mais sans que je sois trop cher en même temps. Non, y a rien là, dis, y a rien là. On va tout te trouver ça. Mais si ça te fait rien, par exemple, je commence par servir Dolly, parce que ma stock pour toi, il est juste sur la rack ici à côté, hein? Ça sera pas long, I'm come back tout de suite. Je reviens dans le second, OK? Tout de suite. T'avez-vous remarqué? En plus, elle est parfaite
bilingue. Une course automobile qui tourne mal. Des criminels, des vols empêchés grâce aux nouvelles techniques à l'infrarouge. Urgence, vendredi, 20h. Ils sont allés le chercher dans la jungle. Ils en ont fait une légende. Étaient-ils plus heureux? Samedi, 19h. Mamma mia, la belle cuisine et les pâtes toutes fraîches. Pas besoin d'aller bien loin pour retrouver tant de goût. Rendez-vous à la lasagne. On vous prépare une cuisine typiquement italienne. Goûtez nos spaghettis, fettuccine. Toutes nos pâtes sont faites sur place. Vous pouvez même en acheter. Et le midi, vous mangez pour seulement 4,95. La lasagne, dans la plus pure tradition de l'Italie. Boulevard Bourque, Rock Forest. 563-6250. Bon appétit. Qui vous offre le plus grand choix de batteries de cuisine en Estrie et les plus grandes marques d'accessoires de cuisine? Qui d'autre que Monsieur Chaudron, le spécialiste du polissage, de la réparation et de l'entretien des autocuiseurs et de tous vos articles de cuisine? Voyez nos superbes coutelleries Oneida. Un de nos modèles saura sûrement vous plaire. Oneida, la marque de qualité supérieure. Des coutelleries garanties à vie à prix concurrentiel. Les nouveaux propriétaires de Monsieur Chaudron n'attendent que de bien vous servir au 768 King Est, Sherbrooke. Chez les salles de bain, Michel Bélanger. Notre équipe d'experts a le souci de vous offrir des conseils judicieux, le maximum de satisfaction et les meilleurs produits à prix plus que concurrentiel. Profitez de notre super spécial de saison. Bain tourbillon Acrylica, toilette et lavabo de porcelaine Briggs à $795 pour l'ensemble. Les salles de bain Michel Bélanger. Qualité, élégance, durabilité. Un choix d'avant-garde au 4515 Boulevard Industriel Sherbrooke. Cuite dans un poêlon, la Pan Pizza Mike, une foule d'ingrédients succulents, une croûte irrésistible qui déchaîne les passions. Oh, je croûte que je la dévore, que je morde dans la nouvelle. La Pan Pizza Mike, c'est maintenant offerte en grand format. Pour fêter ça, Mike, je vous offre n'importe quelle pizza ou Pan Pizza grand format pour seulement $9,99. Oui, $9,99. Passionnez Mike. Salut. Bonjour. Bon voyage. Bonjour. Le petit est pas prêt? C'est quoi les... Il a pas fini sa sieste. Eux, là, c'est des roues, moi, je parle des roues, hein. Il répète. Au fait, vous avez des chambres. C'est-tu bon? Non. Christian, es-tu en bas? Vous voulez nous... Dans la cuisine. Merci. Et puis, la cuisine. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Non, mais... Vous voulez autre chose? T'es pas allé au bureau? C'était ma journée de congé. T'as pas eu trop de misère avec le petit? Ben oui. À midi, il a rien voulu manger. Puis il a pas arrêté de faire des carrés de sable dans son assiette. Dans ce temps-là, t'arrêtes un petit peu puis t'attends pour... Excuse-moi. Pourquoi? Je le sais que t'as plus le tour que moi avec lui. Michel, dis pas ça, c'est pas vrai. Non. Puis ce que j'ai dit hier, là, je te jure, je le pensais pas, je m'excuse. Je vais dire une affaire. Si c'est vrai que c'est les enfants qui choisissent leurs parents, mais je comprends le petit d'avoir sorti ton nom. Je n'y pas, ça y est. J'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus. Tu penses à moi? Non, voyage en Russie que j'arrive pas à organiser. Chut. Oh, tu oui. Mon petit maman qui est pareil. Ouais. Oh, tu oui. Arrêtons donc de nous chicaner pour des niaiseries, OK? En tout cas, c'est pour ça que moi, dès de même, je prête à me chicaner tous les jours. Mm-hmm. Oh, Michel, veux-tu dire à Christian que... Ouais, bon, écoute, donc je pense que je vais être de moi-même, hein? Ça fait 10 minutes que tu tournes autour du pot. Dis-lui ce que t'as sur le cœur. Oh, Christian, oh... Oh, pardon, je vous dérange. On peut rien te cacher. Non, c'est simplement pour te dire que je m'en vais retrouver Dolores, puis que... Oh, ben après tout, j'ai pas de compte à te rendre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? Non,
tout. Non, j'aime pas la courge. Pas de problème. Je me sens pas bien. Non, non, take it up. Hein, y'a rien, là. That's smart. Ah, ça, c'est un style, chef. You look like $1 million. C'est le gorgeous, chef. C'est pas belle. C'est vrai qu'il est beau, mais il est bien trop grand pour toi, par exemple. Non, ça, chef, c'est parce que c'était Ralph de la Rose. Vous compte, Imelda, un Ralph de la Rose? Puis, c'est pas une raison pour nager dedans. C'est-à-dire qu'avec une bonne veste, oui, très. C'est vrai d'être en grosse laine, c'est même ça. Pensez vraiment qu'il est trop grand, Imelda? Voyons donc, rien qu'à voir, on voit bien. Mais non, ça, c'est parce que tu le portes mal. C'est pas comme ça qu'on porte tes côtes. Depuis quand tu t'en vas sur lui, ta côte est dans une main. Voyons donc, you've got style, dear. Oh, you got to have style! Faut que tu es capable pour avoir du style, voyons là! Regarde-toi dans le miroir, là, tu vois? Oublie de porter ta bras de même. Look at your... Toute plissée, chère, tu sais? Le penche par en avant, tu sais? Ah, tu pas le bras en arrière. Sors ta vente, hein? Pogne le fixe. Marche sur le billet. Tiens ta côte de main. Ta main sur ta cœur. Bon, ça, attends, you know? Hein? Pointe talon. Au sujet du réveillon. Ben, là non plus, il n'y a pas de problème. J'ai fait mon choix, c'est dans ta famille qu'on va le passer. Justement. J'aimerais mieux que ce soit ici. Pourquoi? Hein? Gorgeous, dear, you look simply gorgeous, Ben, mais il est bien trop cher. Voyons, Melda, puisqu'on se met tous ensemble pour vous l'offrir. Ben, vous m'offrirez d'autres choses si vous voulez. Ben, ça, c'est rien que si vous voulez, hein, parce que moi, je voudrais pas... En tout cas. Non, non, mon manteau, j'ai décidé de me l'offrir moi-même, puis tout ce que je peux payer, Mme Gauchepin, c'est 250$. Ah, voyons, chérie, non. Je suis capable de te laisser à 350, puis là, je paye de l'argent, mais à 250, voyons! Ça paye même pas le transport! Bon, ben, dans ce cas-là, on va aller voir ailleurs. T'as bien su d'aller. Ben non. Voyons, mais dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là, chérie? Tu trouveras pas ça nulle part ailleurs? Ben, au moins, je vais aller voir. Es-tu prête de le rester? Non, viens, cette prête de votre enfant. Non, on te laisse pour 300$. Ben oui, comme t'es un ami de Dolly, hein? Ça, c'est une aubaine, Melda. Une aubaine pour qui? C'est tellement pas pour moi, je suis pas capable de mettre plus que 250$. Ah, come on, Melda! 300! Non, Rachel! 250! Mais oui, mais tu! Qu'est-ce que c'est de nos jours, 300$ pour un manteau? C'est trop cher. Qu'elle dit, monsieur? Mais comment ça? J'en ai vu un aussi beau dans le catalogue. Tu vois, parce qu'il vient pas de Heineken. Il fait autant mon appel, ça fait que... T'en viens-tu, oui ou non? Melda, attends. Viens-tu, chère. Attends. You win! Tu gagnes, parce que c'est ton première visite 7, tu te laisses pour 275. Et tu contente? Imelda, vous allez avoir un manteau griffé pour 275$. Ben, j'aimerais mieux l'avoir dégriffé puis le payer 250. Dis-moi de toute façon, c'est mon dernier pays, ça prend ou à laisser. OK, et tu dis 260. C'est quasi 260. 50. 60. 50. 60. N'est pas question. OK, 255. Mais dis-les pas à personne, parce que si tu dis au monde, je t'ai fait ce prix-là, m'a fait rire de moi dans le business. Ils vont dire, le pauvre Rachel, elle sent mieux de pas en vieillissant, elle rempli vendre, puis ils vont me mettre dans le rencard. Arrêtez-moi ça, je vais me faire broyer. OK. Je te laisse pour 250. Prends ta côte, mêlée, puis va-t'en avec, puis je vais plus te voir jamais. Êtes-vous contente, Imelda? Dis-tu, au fond, je sais pas si vous l'aimez tant que ça. C'est tout? T'as fini? Oui. T'es sûr que t'as rien d'autre à rajouter? Non. Mais je voudrais tellement pas... Là, mon pire, ce que tu veux ou ce que tu veux pas, c'est pareil. À cette heure, c'est à mon tour de parler. Puis comme c'est la dernière fois que tu vas m'entendre, écoute-moi bien comme faux fille. On sait jamais, ça pourrait te servir pour la prochaine fois. Si t'as honte des personnes que t'aimes, puis si t'es trop pogné pour les accepter telles qu'elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient, c'est parce que t'es vraiment pas le gars que je pensais. Et dans les circonstances, je vois vraiment pas ce que j'irais faire chez vous à Noël, jouer un personnage qui a rien à voir avec moi pour faire plaisir à ton quétaine de frère ou à ta moronne de sœur. Je suis ce que je suis, un gars flyé, c'est vrai, mais qui respecte les autres et qui leur demande rien d'en faire autant. À cette heure, fille, ton chapeau, tes clics puis tes claques puis fais de l'air. Écoute, parce que... Comme dirait Melda, j'aime mieux être tout seul que mal accompagné. Christian! Tout! Wouch, wouch! Wouch! Bon. Là, une bonne chose de faite.
À cette heure, je vais pouvoir aller faire mon shopping des fêtes. Moi, ce que j'aimerais bien gros, là, c'est un manteau de ce genre-là. Il me semble que je me reconnaîtrais plus avec ça sur le dos qu'avec déguisé en Rolf Dillero de Beverly Hills ou n'importe qui d'autre qui vient de Hong Kong ou de Thaïlande. Franchement, Imelda, ce qu'on trouve dans les catalogues, ça fait tellement commun. Shut up, dear. Laisse-moi faire un manifeste ça ici, mur à mur, nous autres. Ben, voyez trouver ça, pas de problème, dear. Samuel, veux-tu te sortir de l'eau 24-32? Extra large! Je dis que vous êtes pas un cadeau pour magasiner, vous. Comment ça? Vous savez pas ce que vous voulez. Ben oui, je le sais. C'est le numéro 2432, là, du catalogue. Excusez-moi, c'est short. Il était temps que t'arrives parce que je te dis que ta mère, là. Qu'est-ce que t'as pas trouvé ce que tu voulais? Ben oui, c'est de l'Orez, là, qui s'énerve pour rien. Pour rien? Elle est en train de faire capoter à gérante, pauvre Mrs. Goldstein. Mrs. Goldstein? Tu m'as pas craché à le Goldstein et rendu ici? Ben oui, t'as connu? Mais je comprends donc, c'est elle qui m'habillait chez Fred sur rue Sainte-Catherine quand j'étais jeune. Tu me la poteras ici. Mrs. Goldstein? C'est pas vrai. Pas Denise Dussault. Ah, ma chum Denise! Eh oui, Rachel, c'est bien moi. Ma vieille amie, ma vieille complice des années 60. Quel plaisir de vous retrouver. Eh oui, dear. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas, hein? But you know something. C'est comme si c'était hier. Oh, ben, dis-moi pas que c'était madame-là, c'est Mrs. Goldstein qui te vendait tes robes strapless. Ben oui, maman. Quoi? Tu veux dire que madame est ton mère? Ben oui. My God, je voulais savoir aussi que tu avais appris à dealer. Je sais, Esther. J'ai justement besoin d'une petite robe pour les fêtes. Passe à côté, ils sont justement sur le rack là-bas. OK, je vais. Oh, attends-moi, je vais avec toi. Hé, pour en revenir à mon manteau, vous l'avez-vous en stock? Yes, dear. Bon, à combien on commence à s'argumenter? Non, on ne s'argumente pas parce que mon journée n'est pas finie puis je ne vais pas rentrer chez nous sur le genou, hein? Puis, sais-tu, you know something? En souvenir de ton fille, je t'en fais cadeau. Oh. Mais tu sais quoi, moi, je te demande à toi une grande faveur. Hein? La prochaine fois que tu vas voir cette côte-là, là, veux-tu plus jamais remettre la pièce ici puis le faire venir directly from the catalogue? Ce soir, 21h, ne manquez pas la comédie policière « Comment se débarrasser d'un million en un week-end » mettant en vedette Time Daly et Richard Crenna. Dans un moment, China Beach.